Voici. La grâce de suivre le Christ toute ma vie, dans la congrégation des sœurs et sacrificateurs de Jésus et de Marie. Nous rendons grâce à Dieu. Devant Dieu et l'Église, devant tes parents, tes amis, tes sœurs de la congrégation qui sont présentes, Isabelle, veux-tu dire le sens de la démarche que tu fais aujourd'hui? Attirée par le message d'amour de l'Évangile, depuis mon enfance, j'ai cherché à connaître Dieu et à m'approcher de celui qui me disait « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Étudiante, j'ai fait l'expérience de son amour personnel et inconditionnel. Le Seigneur m'a conduite par la méditation de sa parole à Dieu. Il m'a progressivement amené à l'intime, de mon cœur. Le 25 mars 2011, jour de l'Annonciation, il m'a appelé à lui consacrer tout mon être et j'ai accepté l'alliance qu'il établissait avec moi. La joie et la paix qui ont jailli de mon lit ce jour-là, demeure. J'avais 27 ans. Je côtoyais les sœurs des Sacré-Cœur depuis une dizaine d'années. Et j'ai pressenti que le Seigneur m'appelait à la vie religieuse dans cette famille. J'avais été touchée par leur ouverture, leur simplicité, leur joie et la diversité de leurs insertions. Durant ces 9 années de vie religieuse vécue à Fontenay, j'ai mûri ma vocation par la vie en communauté, le travail, la catéchèse et le catéchuménat, l'aumônerie de la maison d'arrêt et les rencontres quotidiennes. Le bon berger m'a fait traverser les épreuves et grandir en confiance. Consciente des défis, je décide de m'engager définitivement comme sœur de sa culture, avec la grâce de Dieu, pour être témoin de sa miséricorde, avec le désir d'accompagner mes frères et sœurs sur un chemin. Le baptême engage toute personne à suivre Jésus-Christ. Vous le choisissez, vous le suivez d'un vie religieuse apostolique. Pouvez-vous dire ce à quoi vous vous engagez en Église? Je m'engage à répondre à l'appel du Christ à aimer dans la fraternité, en participant à nourrir la vie de ma communauté et en accueillant toute personne, comme une sœur, un frère. Je désire vivre toujours plus à la manière de Jésus. Avec mes sœurs, je veux révéler la proximité de Dieu et semer la bonne nouvelle autour de moi en me pensant de mes séances. À la suite du Fils de Dieu qui s'est fait obéissant par amour, qui a donné sa vie, je serai à l'écoute de sa parole et en dialogue avec les responsables pour discerner ensemble les appels de l'Esprit et ajuster notre présence aux besoins de l'Église et du monde d'aujourd'hui. À la suite du Fils de
la suite du Christ chasse, demeurons au chemin. Je garde le cœur Christ horrible à tous et je m'engage à vivre des relations respectueuses au service de la croissance de la vie. Je veillerai à me faire franche, tout spécialement des personnes qui manquent d'attention, à collaborer à l'évangélisation des communautés humaines où je serai en moitié. Dans un monde où il est facile de se laisser entraîner par des séductions de toutes sortes, quels moyens seront les vôtres pour répondre chaque jour à votre vocation? La prière personnelle et communautaire, notre prière d'enfant, seront la source de ferment de ma vocation et de ma fidélité. J'aurai à cœur de nourrir ma relation avec le Christ, de porter les épreuves et les joies de ce que je rencontre dans ma prière quotidienne. La méditation de la parole de Dieu et d'Esprit Saint éclaireront ma vie meilleure. Mais les questions de réticence, de confiance et de joie. De même que les temps d'accompagnement et les actes spirituels. L'attention à mon équilibre de vie, la participation à l'Eucharistie et au sacrement de la réconciliation me permettront de puiser l'énergie nécessaire pour le combat spirituel. Conscience de mes faiblesses, il s'agira de veiller à ne pas compter sur mes propres forces, mais à m'abandonner toujours plus entre les mains de Dieu, comme marche dans les mains du potier, sur un chemin de conversion permanente. La Vierge Marie s'est révélée de plus en plus précieuse sur mon chemin de foi. Je me confie à son intercession et je la prends comme modèle, la vôtre, confiante et missionnaire. Je compte aussi sur le soutien de mes sœurs et de congrégation, sur votre prière et votre fraternité pour m'accompagner dans ma mission. Ce que Dieu, notre Père, a commencé en vous, il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ vient. Frères et sœurs bien-aimés, demandons à Dieu, sur ce tout bien, d'affermir dans ce qu'Isabelle a choisi, le projet de vie qui a inspiré dans son amour. Oh.
Marie le premier. Moi, sœur Elisabeth de Yoshi, je choisis de suivre Jésus-Christ, bien librement, de tout cœur, en m'engageant par les conséquences de pauvreté, de chasteté, pour toujours, en votre présence, sœur Martine Chaillot, supérieure générale, dans la congrégation des sœurs des Sacré-Cœurs, de Jésus et de Marie, selon votre règle. Liée à mes sœurs par une même vocation et une même vision, je veux révéler par toute ma vie l'amour de Jésus. Je m'appuie sur la fidélité de Dieu et me confie à la prière de l'Église. Et moi, par le pouvoir qui m'est donné au nom de l'Église, je reçois ce vœu définitif que tu viens d'émettre dans notre congrégation. Que Dieu unisse ton offrande au sacrifice du Christ et te rende capable de la vie en plénitude. Dieu qui appelle tout homme à la sainteté, il est juste et bon de te rendre pouvoir par ta parole vivante et dans l'Esprit Saint d'un geste d'amour que nul ne peut dire. Tu as créé l'humanité. Lorsque les temps furent accomplis par la grâce du Saint-Esprit, la Vierge Marie donna au monde de son œuvre. C'est en lui, pauvre, humble et obéissant, que toute sainteté s'enracine et prend corps. C'est lui qui a fondé l'Église, il a fait d'elle son épouse, il a tellement aimé qu'il s'est livré pour elle. Seigneur, tu as appelé beaucoup de femmes à suivre le Christ en se consacrant à lui. Aujourd'hui, Père, nous te prions, mais au cœur de sœur Isabelle, le feu de ton esprit, pour qu'il rende plus ardent le projet que tu lui as inspiré, que les 14 lumières de son baptême répandissent en sa vie, que sa consécration au cœur de Jésus fasse grandir son amour pour toi et pour toute personne. Dans la simplicité du quotidien, qu'elle soit pour tous signe de l'amour dont tu aimes chaque jour. Seigneur, Père Saint, dans ta miséricorde, donne à Sœur Isabelle d'être fidèle au Christ. Guide-la, veille sur ses pas. Et le jour où tu l'appelleras, fais qu'elle aille vers toi, paisible et confiante, sous la protection de la Vierge Marie, pour chanter éternellement ta miséricorde. Nous te le demandons. Amen. Seigneur Dieu, notre Père, bénis cet anneau. Isabelle, reçois cet anneau
symbole de l'alliance d'amour réalisée entre Dieu et notre humanité dans le Christ Jésus, et rappelle dans le quotidien de ta consécration au cœur de Jésus. Tu fais définitivement partie de notre famille religieuse. Désormais, tu auras tout en commun avec nous.
votre engagement dans le monde. Monseigneur Jacques, chers frères prêtres et diacres, merci pour votre disponibilité et votre soutien à notre vie religieuse apostolique. Un profond et fraternel merci à tous ceux qui ont contribué à la beauté de cette célébration, spécialement à ceux qui ont participé de longue date à sa préparation. Pour tous les paroissiens qui nous donnèrent leur aide, je ne saurais